On se retrouve sur l'itinéraire pour la montée, en espérant que ça passe bien. C'est un bon test pour mon dos. Avec cette fois-ci l'objectif de monter et de dormir. Il n'y a pas de surprise, ils avaient annoncé un temps nuageux. J'avance de moitié, j'ai besoin de faire quelques pauses, mais pour l'instant, mon dos va bien. C'est le plus important. Je ne peux pas dire que j'appréhendais pas. Forcément qu'avec ce sac lourd, en allant dormir sous la tente, j'ai eu une appréhension. Mais je suis content. Ça, c'est le mot que je prononce toujours en montagne. Mais c'est vrai, je suis content d'être là, je suis heureux de faire cette aventure. Et dans ce processus de remise en forme que j'ai entamé, c'est une étape qui me tenait à cœur. Donc, on y est. Je fais une pause, je mange quelques fruits secs. Je vais attaquer la dernière montée, la plus pentue. Et ensuite, on se retrouvera là-haut. Au refuge, puis je poursuivrai un peu plus haut pour installer mon bivouac. Thank you.
pense qu'il y a en montagne beaucoup d'éléments qu'on pourrait même pas nommer qui contribuent à la guérison. Parce que justement, dans la nature, on a des processus qui sont inconscients, qui se mettent en place, comme par exemple, ça monte, donc le souffle est court. On le sent, le souffle. On a aussi la vigilance des pas que l'on pose, parce qu'à chaque pas, on peut tomber. Et on est donc attentif. On a aussi l'effort physique qui donne de la sensation. On a mal aux cuisses, aux mollets, donc on porte notre attention sur ces parties du corps. Si on cumule l'essoufflement, la sensation physique avec la vigilance, on est présent, on est attentif. Et cette présence, elle nous permet de sortir de ce que le temps un peu chronologique, que le mental. Qui va être utile, hein. Le mental il a sa place. Je pense qu'il est complètement inefficace pour pouvoir s'imprégner du moment. Et il lui faut, pour certaines d'entre nous, qui ne sont pas dans une forme de béatitude permanente, je pense que pour certaines d'entre nous, la nature offre ces instants-là. Alors la nuit, il va y avoir une forme de vigilance aussi, parce que je ne suis pas en sécurité, donc les bruits, etc. Donc, les instants de repos que je vais prendre, ben, ils seront liés à la fatigue. Mais il va y avoir aussi des moments d'assise qui ne sont pas des chaises. On est assis par terre, on est assis sur un caillou, on fait attention aussi, parce qu'ici, on ne fait pas n'importe quoi. On est attentif aussi à ce qu'on fait par rapport au dos, au sac, parce que si on tombe, si on se fait mal au dos, si on se bloque, on est tout seul. Je pense qu'il y a quelque chose de simple, un processus simple que nos ancêtres ont traversé. On a quelque chose dans la nature qui se simplifie. On est beaucoup trop sollicité mentalement, pas assez physiquement, et pas assez non plus dans la conscience des derniers instants possibles. On se couche dans une maison fermée à clé, où on a un faux sentiment de sécurité, parce qu'on peut péter du cœur dans la nuit, mais on se détend, on se relâche, parce qu'on a fermé à clé la maison, on regarde un film qui va nous imprégner comme si on avait vécu l'expérience, mais de notre canapé. Voilà. Alors que là, ici, il faut transpirer. Faut souffrir à des moments. Et tous nos sens sont aux aguets. On écoute, on doit anticiper s'il y a un problème. On ne se met pas en danger pour autant, mais il y a quelque part. Voilà, elle est trop chaude, la soupe. Il y a quelque part quelque chose il y a tout un tas de paramètres qui nous renvoie à l'essentiel. Et cet essentiel, il nous vivifie, il nous relève, il nous fortifie. Donc c'est un soin que je viens faire ici. Ce n'est pas le goût de m'évader ou de m'échapper. Aussi, très certainement aussi, c'est ce qui vient le motiver. On peut, en fonction de nos possibilités, mettre en place des outils, des promenades dans la forêt, des promenades même quand il pleut, quand il neige, quand il fait très froid, aller dehors, respirer, redévelopper ça. L'autre fois, on parlait de laisser revenir ce sauvage qui est en nous, mais je pense que c'est totalement ça. Voilà. Pour ce soir, ça sera tout. Je vais boire ma soupe, hein, profiter un peu du feu.
froid, là ça allait. J'ai eu juste à par moments un peu frais. J'étais obligé de fermer complètement l'arrivée du duvet en gardant que la bouche pour respirer. Sur le matin, quand la température baisse, j'ai ressenti un peu le froid. Sinon, la nuit a été bonne, avec beaucoup de réveils, comme d'habitude sous la tente, déjà pour se tourner. On va voir, j'ai le dos un peu raide, mais c'est normal. J'ai eu à me bouger dans la nuit, à faire pipi, enfin, j'ai eu à sortir du duvet. Mais je vois que la tente a tenu le coup, même si elle condense un peu ce matin, pas trop. Je sais pas, il faudra que je la teste avec la pluie, parce qu'elle est quand même... Elle a 12 ans, on verra. On verra pour le matériel, mais globalement, avec le matériel que j'ai, ça s'est bien passé. On verra s'il fait plus froid la semaine prochaine. Peut-être une meilleure isolation au sol aussi, une couverture de survie réutilisable que je placerai sous ma bâche. Allez, je vais me lever, préparer mes affaires, bouger un peu. Cabane que je vous ai montré hier. En bas, on voit la vallée avec Aïe-Montségur, le lieu où je vais, puisque je suis parti de Montségur. On voit que c'est bouché, mais pour l'instant, ça bouge pas. La brume descend un peu. Bon, ce matin, j'ai eu, on va dire, des raideurs au niveau du dos, ce qui est normal. Mais quand je me suis mis à genoux pour plier la tente et tout le matériel à l'intérieur, j'avais des petits pics qui me lançaient un peu comme si ça allait se bloquer. Voilà. Donc j'ai mis la ceinture autour du dos avec l'oreiller du tapis champ de fleurs. Je l'ai gardé, bon c'est inconfortable quand on le compresse comme ça. C'est plus qu'inconfortable au début. Après on s'habitue bien et il y a un bon effet quoi. Ça m'a relâché, j'ai pu mettre mon sac sur le dos et bon, là on va dire que je suis bien pour la descente. Mais bon, je vais pas séjourner quand même de trop vu que j'ai eu cette alerte, je vais descendre. J'avais prévu de rester un peu, de descendre que dans l'après-midi, voire de marcher un peu, ça sera pas faisable. Je préfère jouer la sécurité. Voilà. Il y a deux façons d'interpréter tout ce qui s'est passé ici. Une, ben, c'est 2h30 de montée, voilà, les 3h on va dire avec le... 2h30 de montée, presque 3h. Une nuit et une redescente de 2 heures, pour beaucoup, c'est rien, quoi. Avec un sac à 22 ou 23 kilos. Mais de là où je viens, c'est énorme. Voilà. Avec une nuit sous la tente en tapis de sol, ça fait des années que je n'ai pas pu le faire à cause de mon dos. Donc c'est une belle victoire. Je suis content. Je ne la savoure pas encore complètement. On en reparlera quand je serai à côté de la voiture. Il faut toujours rester vigilant. Et pour l'instant, comme il fait froid, je préfère attendre, me réchauffer un peu, déjeuner. Et à ce moment-là, on pourra prendre un moment pour discuter. Allez, à tout à l'heure.
Je sais pas si on l'entend, mais c'est comme un aboiement, comme un chevreuil là. Voilà. J'arrive pas à visualiser où il pourrait être. Dans cette vidéo, le thème et l'annonce qui sera faite d'ailleurs en intitulé, c'est faire un choix. Hier, et quelques jours avant d'ailleurs, avant de partir, en faisant mon sac, d'abord à 32, ensuite à 27, puis dans la nuit, j'ai dit non, tu peux pas emmener ton matos photo parce que tu n'es même pas sûr de pouvoir passer avec ce poids, donc j'ai réduit à 22. Et même là, je l'ai trouvé difficile. Surtout ce matin au niveau du dos, mais c'est passé, ça commence à pleuvoir. Donc faire un choix, ça peut être radical, parce que hier, au lieu de la peur, j'ai choisi la confiance. Au lieu de la peur de me bloquer, même si en fond il y a la crainte, et que la vigilance prend place pour éviter les erreurs, la confiance a pris le dessus et c'est un grand pas pour moi, une énorme victoire que d'avoir pu dormir là-haut, vu l'état de mon dos des dernières années. C'est un choix qu'il ne faut pas lâcher ensuite, il faut s'accrocher à ça. C'est ces petits pas qui, il y a 2 ans, je les faisais avec des béquilles, puis il y a encore 1 an, je recommençais avec les béquilles. Et là, au jour d'aujourd'hui, je suis avec un sac à dos, seul en montagne, à avoir fait 600 mètres de dénivelé et à avoir dormi sous la tente avec des températures négatives. Je pense que pour les gens qui sont blessés, malades, abîmés, c'est comme ça qu'il faut essayer d'avancer. Un pas après l'autre, la montagne le symbolise bien. Et après, ne pas lâcher les acquis. Là, je manque clairement de souplesse au niveau de mon dos. Il faut que je la travaille. J'ai du mal à me mettre des chaussettes, surtout quand j'ai forcé la veille. Et il faut que j'allège encore mon sac pour pouvoir prendre mon matériel photo. Et il faut que je travaille un pas quotidien, parce que là, j'ai remis mes vieilles chaussures de montagne avec lesquelles j'avais fait la traversée des Pyrénées, qui sont assez rigides et ça m'a entamé les pieds. Donc, ce n'était pas confortable. Donc, il faut améliorer petit à petit le confort et ne pas lâcher l'activité qui vous permet de reprendre mouvement. Parce que le mouvement, c'est la vie. Et l'immobilité, ça sera notre condition de fin de vie. Donc, pensez que le mouvement nous maintient notre structure musculaire, nous maintient moralement, maintient aussi tous nos systèmes et nous endurcit.
il y a un excès de confort qu'on ne retrouve pas en montagne. En montagne, quand on va se mettre au pied du feu, on a d'abord cherché le bois, on l'a allumé, on a porté tout pour pouvoir être là. On installe la tente. Quand on s'allonge, c'est pour dormir. Si on fait la sieste l'après-midi, c'est compliqué la nuit. Parce qu'hier, je me suis couché à 19h, 18h30 même. Donc après, si vous avez fait une grosse sieste pour dormir, c'est compliqué. Donc on ne la fait pas. On s'occupe. Et finalement, on savoure ce qu'on savoure le plus en montagne, hormis la nuit quand on est au chaud, c'est les pauses. Bien sûr, le paysage, il en fait partie. Mais c'est des petites pauses, et non pas se vautrer dans le canapé pour regarder des films et rester tout le dimanche après-midi enfermé parce qu'il pleut. Tout ça nous éloigne de notre condition physique et de ce qu'on pourra réaliser en vieillissant. Pensez-y, bougez. Adapté à votre problématique, adapté à vos douleurs, adapté à ce que vous êtes et fiez-vous à votre ressenti, mais ne lâchez pas. Cherchez, luttez et ne rien céder. Je ne vais pas pouvoir dire qui c'était, je ne me rappelle pas. Alors, on n'est pas loin de l'arrivée sur cette piste qui a été transformée en exploitation forestière pour un chantier. Aujourd'hui, on a parlé des choix. Faire un choix. On veut venir faire un bivouac ici avec un sac lourd alors qu'on ne sait pas si ça va passer. Choisir la confiance au lieu de choisir la peur. Bien sûr qu'il faut le mesurer. Il faut être conscient quand même de ses capacités, il faut le ressentir. On ne prend pas de risque, ne prenez pas le sac de main si vous n'avez jamais fait de montagne pour pouvoir aller vous confronter à ce type d'expérience. Ce n'est pas le but de la vidéo, soyez prudent, faites-le à votre mesure. Définissez des objectifs en fonction de ce que vous aimez et de ce que vous pouvez faire. Mais d'en faire un choix aussi, ça touche à nos dépendances. J'ai pris conscience il y a de ça peut-être 12 ou 13 ans qu'au final, ce n'était pas la société le problème et ce qu'elle pouvait véhiculer de malsain, mais c'était notre dépendance à ce système qui le rendait malsain. Parce que finalement, il nous aliénait, puis en nous faisant miroiter parfois de belles choses, mais c'est nous qui, dans notre processus de sevrage de ces dépendances, c'est nous qui nous rendons indépendants de ce système. Ça ne veut pas dire qu'il faut le rejeter, mais ça veut dire que si plus d'individus étaient indépendants et autonomes, il y aurait moins d'exactions, d'injustices et moins de ravages sur notre planète. Et puis petit à petit, quand vous commencez à enlever ce à quoi vous êtes dépendant, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres comportements qu'on n'aurait pas vus, puisqu'ils étaient sous le chapeau géant de nos dépendances principales. Mais on voit que finalement, on a besoin de s'accrocher à certaines choses. Et quand on reprend le sport, avec sa sécrétion d'endorphines, de bien-être et d'apaisement, on s'aperçoit qu'on peut être accro aussi, et qu'il vaut mieux être accro à un sport modéré qu'à tout un tas de saloperies que nos systèmes aiment bien véhiculer comme étant chic, important, tendance, alors que c'est des grosses merdes qui vous bousillent la santé et qui aliènent votre existence financièrement, moralement, et qui vous rattachent petit à petit à des nécessités de soins qui dans leur processus vont très bien puisque ça finance les hôpitaux, les labos et compagnie. Sans être négatif sur tout ça, je pense qu'il faut regarder comment fonctionnent les animaux, et plus vous vous rapprocherez d'une alimentation naturelle, sans dépendance, avec des moments de saveur, mais plus vous vous libérerez. Et plus vous aurez donc une vie simple, libérée de toute dépendance, et moins vous vous sentirez prisonnier. La liberté, c'est ça. C'est pas qu'un concept, une vue de l'esprit, un mot qu'on hurle en haut d'une montagne comme j'ai pu le faire plus jeune. C'est un travail sur nos natures,
sur la folie de nos natures, nos appétences, sous notre la bête tapie, sous nos faux semblants de douceur, doit être nourrie. De quoi allez-vous la nourrir? Allez-vous la nourrir de cochonneries? Allez-vous être complice de substituts qui vous bouffent? Ou alors allez-vous la nourrir de sauvages, de nature, de grands espaces, ce qui vous amènera du bien-être? Voilà, on va terminer avec faire un choix. Faites votre choix. Choisissez quelle vie vous voulez vous offrir. Choisissez ce que vous voulez pour vous. Et qu'est-ce que vous voulez transmettre par votre exemple à vos enfants? Et ensuite, tracez votre chemin. Comme disait Emerson, n'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin. Et laissez une trace. Que votre trace soit saine, comme celle d'un animal qui s'efface avec le temps, et non pas celle de nos lobbies, de nos hyperstructures qui vont saccager la planète et dont nous sommes complices par notre consommation. Consommer différemment, consommons différemment et vivons le plus simplement possible en harmonie avec la nature. Allez !